tourneau. Un pétale de nénuphar. Une pincée de coquille d'œuf. Sans oublier une larme de singe versée au clair de lune. Oh. Ding. Ça y est, c'est prêt. Vous allez vous régaler. C'est comme si on était coincé dans un bloc de plâtre. Je ne peux plus bouger. C'est si dur que mes méga muscles n'y peuvent rien. Ma pâte à plâtre est plus forte que tout. Et quand votre précieux QG en sera plein à bord, vous ne pourrez plus jamais vous en prendre à moi, Ninjaka. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Erreur. C'est vous qui ne vous tirerez jamais de là. Ne les quittez pas des yeux, Ninja Zouave. C'est ma faute. J'étais si contente de jouer à la chasse au trésor que j'ai pas vu ce que Ninjaka préparait. En même temps, qui aurait pu se douter qu'on finirait en boule de pétanque? Il faut se sortir de là. Mais comment? On est bon qu'à faire une partie de pétanque. Merci, Gluglu. Tu viens de me donner une super idée. Oh, et Ninja Zouave. Hein? Dommage pour toi, notre copain a réussi à s'échapper. Oh. Hein? Oh! Dégomme-les, Yo-Yo! Finalement, on n'est pas capable de relever n'importe quel défi. Hein? Ouf.
était temps que ça s'arrête. Yo-yo, hein? Attention! Bien tenté, le chat de gouttière. Mais qu'est-ce que tu dis de ça? Raison. Mais elles me font envie. Elles sont si jolies. Ça alors? Regardez, ça continue. Hein? Oh! En fait, j'ai compris. Ils disent lune. Ces balles hypnotisent tous ceux qui ont le malheur de les toucher. Mais d'où elles viennent? À ton avis? Sorceline. Bonne réponse. Alors, comment vous trouvez mes scintillunes? Qu'est-ce que tu as fait à tous ces gens? Oh, rien de bien méchant. J'ai juste aspiré l'énergie de la lune avec mon aimant pour la mettre dans les scintillunes. Des jolies petites bulles. Oh. Avec ça, ils ont la tête dans la lune et se mettent à l'adorer. Et donc à m'adorer moi aussi. Tu leur fais un lavage de cerveau avec l'énergie lunaire? Exact. Et devinez pourquoi? C'est parce que maintenant qu'ils sont hypnotisés, ils sont prêts à m'obéir au doigt et à l'œil. Et grâce à eux, je serai bientôt la reine du monde. Sauf si on t'en empêche. Bon courage pour m'arrêter. Vous n'y arriverez jamais. Oh, mais moi en revanche... Oh! Oh! Il faut qu'on récupère ces balles avant qu'elles ne touchent d'autres personnes. Si toute la ville se fait envoûter par Sorceline, on ne pourra plus rien contre elle. Hé, hey, on n'a qu'à utiliser ces poubelles. Mais oui, bonne idée. C'est pas parce qu'il ne faut pas les toucher que je ne peux pas jouer avec les saints. Tu vois? Il me reconnaît. Ça ne l'empêche pas d'écraser tout ce qui bouge. Oh! Non, il a juste envie de jouer. Bibou, rattrape-le. Bibou Tornado. Glu-glu, méga muscle. Beau réflexe. À moi. Yo-yo, rapido. Je suis là, Glu-glu méga muscle. Vous voyez, il a beau peser au moins 2 tonnes, c'est toujours mon loulou Lionelino. Bon courage pour le porter quand il aura 5 tonnes. Bibou Tornado. Il faut qu'on s'y prenne autrement. Suivez-moi! Mais... Glu-glu, Lionelosaure est devenu incontrôlable. Primo, il s'appelle Lionel. Deuxio, ce n'est pas sa faute. C'est toi qui l'as étourdi alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était jouer. Avec un lampadaire? C'est un danger public. Il faut l'éloigner de la ville avant qu'il la réduise en miettes. Ensuite, on pourra empêcher Roméo de changer d'autres animaux. Vous avez une idée? On pourrait lui mettre une laisse. Ça va pas la tête! Pourtant, tous les chiens en ont une. Comme ça, on pourra le neutraliser. Ne bougez pas! Ça ne va pas plaire à Lionel. Il n'est pas habitué à la laisse et puis... Viens me voir, miné, miné, miné! Pyjamasque en avant! Hé!
Je ne suis pas prêt de la voir, mon armée d'animaux géants, si tu manges toutes les friandises. Robot. Glu-glu. Rattrapons-le avant qu'il s'enfuit. C'est l'heure d'être un vrai héros. Eh bien, Yo-Yo. Laissez tomber, on a perdu. Et un vrai super-héros n'a pas de doudou de toute façon. Non, c'est pas vrai, moi j'en connais un. Je l'ai appelé Lionel Junior. Moi aussi. Ma peluche à moi s'appelle Plumette. Enfin, elle s'appelait comme ça jusqu'à ce que Roméo la transforme. Il a pris vos doudous à vous aussi? Je ne voulais pas avoir l'air d'un bébé, alors je n'osais pas vous en parler. Moi c'est pareil. Tête de chat, voilà le résultat. Si on n'avait pas eu aussi peur de passer pour des bébés, on aurait toujours nos doudous avec nous alors qu'il est. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les récupérer. Tu avais raison, c'est l'heure d'être un vrai héros. Coucou, copain. C'est moi ton doudou, Roméo. Je suis le plus grand de tous les génies. Hein? Ça suffit comme ça, Roméo! Rentre chez toi et laisse-moi tranquille si tu ne veux pas que je dise à tout le monde que tu as un doudou qui s'appelle Monsieur Miaou. Fais-toi plaisir, mais s'il lui arrive quelque chose, t'auras affaire à moi! Et à moi! Et à moi! C'est ce qu'on va voir! Au revoir, Limace. Je ne voudrais pas être à ta place. Arrête-les, robot. Yes. Robot, empêche-les de s'enfuir. À vos ordres. De plus. Comme il est mimi le bébé Zozio. Oh non, Bibou, est-ce que ça va? Oui, Bibou gros popo. Ne restons pas là. Sa sœur à toi le prochain. Pyjamini qui va devenir petit. Je rêve où tu viens de nous traiter de mini. Ça se passera pas comme ça. Yo-yo, rapido. Oups. Non, lâche-moi. Miaou. Chaton. Par mes écailles. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, Roméo. Mais c'est déjà moi qui tire les ficelles. Regarde un peu ce que je fais. Tu vas voir. Et les enfants, vous avez envie de jouer? Oui. Super. Le jeu s'appelle Roméo a dit. Roméo a dit, attrapez-moi ce lézard gluant. Tout de suite. Arrêtez les copains, ce n'est pas le moment de rigoler. Si, on joue, on joue. Alors, jouons à cache-cache. Glu-glu reptile au camouflage. Glu-glu. Glu-glu. Où est passé cuisse de grenouille? Je suis là, Roméo. Et puisque tu veux jouer, on va faire la course. Le premier qui attrape ton labo a gagné. Glu-glu méga muscle. Non. Je vais me venger, espèce de demi-portion! Parce que tu vas devenir une mini-mini-portion quand je t'aurai bébéifié toi aussi. Aïe, je t'ai trouvé, Gligli. Allez, la récré est terminée. Tu te retrouves dans le noir? Moi, personne ne me fera de l'ombre. Sorceline, on doit rester soudés pour déjouer le plan de Roméo. Sois gentil avec Bibou au lieu de lui voler dans les plumes. Je vais essayer. Bibou, tu dois faire des efforts aussi. Quand on est en mission, on a toujours des trucs difficiles à gérer. Sauf que là, Sorceline, fais ça difficile. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Arrêtez Roméo, c'est ça la priorité. Voilà mon idée. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors finis de fuir, c'est nous qui allons le trouver. Je n'aurais pas dit mieux. Pour lui barrer la route, il faut le repérer. Bien vu. Et pour ça, j'utilise ma Hibou Vision. Non, laisse faire mes papilles nuit. Mais c'est moi qui ai les meilleurs yeux. Ça, c'est ce que tu crois. Nom d'une plume. Je l'ai localisé. Du côté du musée? Non, de l'autre côté, près.
près de l'école. Et la flèche, tu en fais quoi? Non, Sorceline, arrête! C'est mon astro hibou, c'est moi qui commande! Il est ici! Je te l'avais dit! Oh, il est là! Regarde! Il est à deux endroits en même temps? Attendez, comment est-ce que ça se peut? Alors, les pyjaminus, on voit double? Vous vous êtes fait avoir par mes hologrammes! C'est pour ça que vous l'avez vu à deux endroits différents! Vous aviez toutes les deux raison! Enfin, plutôt toutes les deux tort! Hé! Hey, pas touche à mon astro-hibou, gros tas de ferraille! Le tien? Non, mais je rêve! Les gadgets sont enfin à moi! Et vous avez vu? La lune commence à réapparaître! Non! Quoi? Oh! Cache-les! Les pyjaminus, qu'est-ce que vous faites ici? Rien de spécial, on vous regarde jouer. Et si tu me remplaçais, Yo-Yo? Oh, désolée, mais j'ai pas le temps. Je dois m'occuper de, mes capacités. Peut-être que Gluglu serait partant. Moi? Non merci, l'ambiance est un peu trop, électrique. Pourtant, on voudrait tous que Sorceline puisse faire un petit match sympa. Le plus loin possible d'ici. Ah oui, bon, d'accord. Prêt pour les chatouilles, cuisse de grenouille? Mille reptiles! Allez, viens, il faut les porter jusqu'au parc. Aide-moi, il faut que je sois le meilleur, que j'augmente mes pouvoirs. Il le faut. Et c'est le seul moyen. Tu te trompes, ce n'est pas le seul moyen. Chaque fois qu'on réussit une mission, on devient tous plus forts. C'est vrai, mais grâce à la nuit du chat, je serai le plus fort d'un coup, d'un seul. Et ça sera bien pour toute l'équipe. Oh non, oups. Rien de cassé, le chat d'autrefois. Bibou, occupe-toi de faire diversion. Et Sorceline, tu me fais la passe? Glu-glu, laisse-moi deux petites sources. Par-dessus. Par-dessous. Qu'est-ce que tu es lourd? Tu as mangé trop de boulons à midi? Pyjaminus, je vous présente ma plus grande invention de tous les temps, le rembobinateur. Maître, vous êtes un génie. Grâce à cet appareil, je peux rembobiner tout ce que je veux. Alors pourquoi on est sur pause? Oh, bonne question. Il faut toujours que vous cherchiez la petite bête. C'est juste un petit problème que j'ai presque résolu. Je vais vous rembobiner autant où vous n'étiez que des petits bébés. Comme ça, vous ne pourrez jamais devenir les pyjamasques. Quoi? Comment oses-tu m'interrompre quand je fais mon rire de méchant? Oh oui, merci robot. Et ensuite, je deviendrai le maître du monde. Il n'y aura plus de pyjamasques. T'inquiète, je le laisserai pas faire. Et comment tu vas pouvoir m'en empêcher si je vous renvoie dans le passé? Au revoir, pyjaminus. Bonjour la chatastrophe. Venez, on repart tout de suite à l'attaque. Pas sans un plan, c'est comme ça qu'on s'est fait avoir. Pourquoi tu t'es précipitée? C'est vrai, on n'avait rien préparé. Tu as foncé tête baissée et on s'est retrouvés au point de départ. Il faut qu'on reste soudés. Roméo allait s'en prendre au petit chat, il fallait bien que j'intervienne. Allez, venez. Oh.
Reste où tu es, Roméo. Vous en voulez encore? Robot, débarrasse-moi des pyjaminus. C'est dégoûtant. Mes amis ne sont pas des déchets. Non, Yo-Yo, reviens. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez ce que je vois? C'est ça, allez-y, rigolez. Faites-nous descendre. Pourquoi? Vous n'êtes pas bien là-haut? Je pense qu'on devrait les laisser. Non. Mais au fait, comment vous vous êtes retrouvés coincés comme ça? C'est à cause d'elle. Ces Papy Nuit ont volé mes étoiles collantes. Et ces ninjas zouaves ont volé mon aérolune et mon aimant aussi. Ils ont décidé de tous se liguer contre nous. Ça ne m'étonne pas, après toutes les méchancetés que vous leur avez dites. Ça ferait un bon film. On appellerait ça la revanche des Papy Ninjas. Au lieu de rire, venez nous décoller. Allez. Attendez un peu, ne me dites pas qu'on va les aider. Ce sont des méchants, ils sont contre nous. Glu-glu, on est des héros et les héros aident tout le monde. Oula, ces Papy Ninja ne rigolent pas du tout. Sauf qu'ils peuvent. Pas de panique les amis, j'ai la solution. Glu-glu méga mus. C'est pas faux. Décrochons-les avant qu'il leur arrive un truc. Bibou, aile de la nuit. Yo-yo, rapido. Voilà, vous êtes sauvés, c'est bon maintenant. Non, les Papy Ninja ont toujours ce qu'ils nous ont volé. Ce sont vos affaires, allez les récupérer vous-même. Non mais attends, tu rigoles? T'as vu combien ils sont? Il a raison. Et si on ne fait rien, ils vont mettre le bazar dans toute la ville. Pour éviter ça, tous à l'astroïde. Oh, wow, par mes écailles, ça brille partout. C'est sympa de m'aider à m'entraîner. Tu as l'air de bien aimer notre album photo. C'est la première fois qu'ils voient tout ça. L'école, le parc, notre QG. C'est cool ici, pas vrai? Hey, mais c'est nous. En route pour un nouveau défi. Il aime beaucoup cette photo, celle où on est tous les trois. Où est-ce qu'il l'a trouvée? Dans les archives de notre pyjama scanner. Il ne veut pas simplement nous aider. Il veut faire partie de notre équipe. Tu veux devenir un pyjarobot. Hein? Roméo, il fabrique un nouveau gadget. Un gadget géant. Allons voir ce que c'est. Moi, je reste ici avec pyjarobot. Dès que ma télécommande géante sera terminée, je récupérerai le mini-robot et je lui ordonnerai de détruire le QG comme prévu. Plus vite que ça! Travaillez deux fois plus vite! J'obéis à tous vos ordres, maître! Bonjour, je suis Robette! Bonjour, je suis Robette! Bonjour, je suis Robette! Aïe! Glu-glu, qu'est-ce que tu fais? Où est le petit robot? Je l'ai repeint en couleur des pyjamas! Il se plaît beaucoup ici! Il a joué avec le pyjama scanner, nettoyé nos véhicules, exploré le QG du sol au plafond! Explorer le QG? Et si Roméo reprend le contrôle sur lui? Mais non, c'est nous qui avons la télécommande. Il en a fabriqué une autre. Et elle est gigantesque. Mais lui, ce qu'il veut, c'est rester avec nous. Quand ce truc s'allumera, il ne saura plus ce qu'il veut. Il fera ce que Roméo lui dira. Comme par exemple, détruire le QG. Détruire notre QG? Si on veut garder le robot, il faut qu'on désactive cette télécommande. J'y enfonce comme un guépard. Plus rapide qu'un escargot. Oh, oh. Yo-yo, glu-glu, qu'est-ce qui se passe? Incroyable! Les pyjamas qui ont perdu leur pouvoir! Je vais enfin faire ce que je veux sans personne pour m'arrêter! Oh. Retournons au QG et en vitesse! Rattrapez-les! Et vous trois, prenez tous les bâtiments! Prenez la ville entière! Pyjarobot m'a appelé. Il faisait un truc avec le pyjama scanner. Une espèce de cristal, apparemment. Un cristal? Mais d'où ça sort, ça? C'est peut-être pour ça qu'on a perdu nos pouvoirs. À cause d'un truc que Pyjarobot aurait fait. Wow! Peut-être qu'il n'est pas prêt à devenir un pyjama scanner.
entrer. Il n'y a plus de courant. La porte est bloquée. Mija Robot! Attends une minute. Il a essayé de me joindre, rappelle-toi. À chaque fois qu'il a fait quelque chose, c'était pour nous venir en aide. Ah bon, tu crois? Ah! Il a toujours voulu nous aider en essayant de conduire le chat-bolide ou... En voulant améliorer mon talkie-walkie. Mais le reptile, dommage que ça ait mal tourné. C'est nous qui aurions dû l'aider. Il voulait juste être un héros, comme nous. Oh, le pauvre, c'est pas sa faute. Non, nous aussi on fait des erreurs. Je referai plus la même bêtise, promis juré. À partir de maintenant, je défends les chars de tout le monde. Alors viens, on peut encore les rattraper. Comment? L'astro-hibou est tout collé. Prenons les chars, comme ça on n'aura même plus besoin de les surveiller. Je prends le lézard qui... Ben quoi? J'ai sauté dans le plus proche, c'est tout. Bien, Pigeon Robot, on a besoin d'aide. Hein? Ils sont là! Allez, on fonce! Rends-nous les chars! Et puis d'abord, qu'est-ce que tu veux en faire? Ce n'est pas lui qui en a besoin. Non, c'est moi. Roméo, qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Nous préparons le plan le plus diabolique que j'ai jamais imaginé. Ces appareils vont transformer les chars de carnaval en méchants Roméo chars. Yo-yo, rapido! Utilise ton truc avec les rayures, yo-yo! Yo-yo, ligato! Glu-glu, reptilo, camouflage! Il est là! T'as regardé! J'ai gagné! Bon, je vous fais ma danse de la victoire! Ya ya you 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 tu tu tu. Tu es sûr que c'est ça que tu entends par vrai travail de héros? C'est la ninja catastrophe. C'est Bibou, après tout, elle doit avoir raison. Et on les laisse ici comme ça? Oui. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. À plus tard les mini ninjas. Vous n'avez absolument aucune chance contre mon robot. Hop. Je vous tiens. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Mais ils n'ont rien fait de mal. Nom d'un hibou déplumé. Ah, je le savais. Tu es encore en train de manigancer un plan avec la lune. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que nous, nous sommes les héros et toi une méchante. C'est ça, Bibou? Allez, Papy Nuit. Une attaque de Papy Nuit. Et alors, des super pouvoirs, ça fait pour s'en servir. Ok, je m'en charge. Glu glu, bouclier, écaille. Je te débarrasse
trouvé, alors je le garde. Fallait pas lâcher, tant pis pour toi, nanana. Figure-toi que la lune rousse possède un super cristal. Une fois qu'il sera en ma possession, mes pouvoirs seront surpuissants et personne ne pourra m'arrêter. C'est ça, ouais. Oh, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais la prochaine fois que vous me verrez, je serai la reine de cette ville. Elle sera à moi. À moi. Allez, à plus les pyjaminus. Elle plaisante, là. Pas vrai? Je n'en suis pas certaine. Elle vole déjà plus vite que d'habitude. C'est trop risqué de ne rien faire. Il vaut mieux la suivre. La suivre? Jusqu'à la Lune? On n'a pas le choix. On va transformer le QG en vaisseau spatial. Ouais! Je rêve d'aller dans l'espace. Au QG, Gluglu. Vous comptez vraiment aller là-haut? Vous êtes sérieux? Vraiment? Oui. Si le cristal de lune existe pour de vrai, il faut qu'on empêche Sorceline de s'en emparer. Trente secondes avant le décollage. Pija Robot, tu sais ce que tu as à faire. Pija Masque, à vos postes. Glu-glu, vous êtes prêts? Prêts! Prêts! Très bien! Compte à rebours. 3, 2, 1, décollage! Parfait! Pija Robot, commence la transformation pleine puissance!